Bonjour Clément, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis en punition. Pourquoi? Je me suis disputé avec Marika. Hein? Alors mon père m'a envoyé prendre l'air pour me changer les idées. Sauf que ça me change pas du tout les idées, ça me donne faim. Marika, c'est la petite dernière, ça, hein? Mais non, la petite dernière, c'est Adèle. Ah, oui. Avec elle, c'est le mercredi qu'on chicane. Le lundi, on ne peut jamais, parce qu'elle a ses cours de piano. Et on est un peu serré dans le temps. Alors on chicane le mercredi, c'est plus commode. Marika, c'est la troisième. Elle est juste entre Louis et Basile. Ah! C'est celle qui porte les lunettes et qui bégaye! Mais non, les lunettes, c'est Louis. Et celle qui bégaye, c'est Anna. Oh, mais c'est qui, Marika, alors? C'est celle qui a la tête dure, qui croit avoir toujours raison, qui me contrarie tout le temps. Marika, c'est la vraie petite sœur intégrale. Elle me casse les pieds, elle me casse les oreilles, et comme si c'était pas déjà suffisant, elle m'a cassé ma bicyclette. Et ça m'a mis en retard dans mes livraisons. Alors tu penses bien que j'ai fait ni une ni deux, et je l'ai engueulé sec. Et comme Marika ne sait pas prendre la critique, eh bien, on s'est disputé. Mon père m'a envoyé prendre l'air. Qu'est-ce que tu lis, là? Ça? Oh, c'est une bande dessinée géniale, avec des gags à se dévisser les mollets. Oh, un vrai bijou, cette BD. C'est une pièce de collection. Hey, c'est la troisième fois que je la lis et je rigole encore comme une baleine. Tiens. Mais c'est les aventuriers de la bande perdue, ça! Tu connais? Mais c'est affreux, cette bande dessinée! Oups! Déjà midi. Attends-moi une seconde. Comment? Où tu vas, là? Attends. Eh oh, Madame Carpentier! Votre journal! Ouch! Merci! Il n'y a pas de quoi, madame! À votre service! Eh oh, Madame Carpentier! Pendant que vous y êtes, vous donneriez pas son journal au monsieur du deuxième? Pas de problème! Ouch! C'est qui ça, Madame Carpentier? C'est une dame à qui je livre les journaux. Tous les jours à midi, elle passe par ici pour aller dîner chez elle. Alors je me suis dit que si je lui balançais son journal par-dessus bord, ça m'éviterait d'aller jusque chez elle et ça me sauverait du temps vu que j'ai pas ma bécane. Oh, j'aurais dû lui lancer celui de Monsieur Leblanc tant qu'à y être. Bof, je lui donnerai demain. Bon, c'est bien joli tout ça, là, mais ça répond pas du tout à ma question. Où as-tu pris cette bande dessinée? Ben, je l'ai pris chez vous. Dans le petit meuble près du lit, pourquoi? Dans la table de nuit? Ah non, tu n'y penses pas! Sais-tu ce que c'est que ça? À vue de nez comme ça, je dirais que c'est une bande dessinée. À moins que ce soit une question piège. C'est ce à quoi Fripp tient le plus au monde! Je n'ai même pas le droit de la lire sans sa permission. Et encore faut-il que je la lise avec des gants blancs. Et c'est pas tout, hein? Parce que madame surveille pour pas que je respire trop près. Ça endommage les pages qu'elle dit. Oh, Clément, les aventuriers de la bande perdue, c'est son album sacré. C'est son porte-bonheur. Si elle sait que tu as pris ça sans sa permission, elle va être folle de rage. Y a pas quoi déboulonner la lune. Y a qu'à pas lui dire. Je remets l'album dessiné à sa place et hop, ni vu ni connu. Tout le monde est content. Comment tu vas faire pour le remettre à sa place, hein? Fripp est en bas. Tu peux tout de même pas aller reporter la bande dessinée à sa place sans qu'elle s'en aperçoive. D'autant plus que Fripp a un sixième sens. Quand quelque chose ne tourne pas rond, elle le sait tout de suite, elle le devine. C'est comme si elle lisait dans mes pensées. Ton problème, mon petit pouille, c'est que t'as l'imagination qui vole au ras du sol. Ça va se faire en deux temps, trois mouvements. Je te le garantis. Et elle ne verra rien. Ça va prendre deux secondes. Seulement, il va falloir que tu m'aides. Ah,
non, il n'en est absolument pas question. C'est de la folie, c'est de la démence, c'est du délire. Si Fritz s'en aperçoit, elle va être folle de rage. Mais enfin, as-tu une meilleure idée? Oui, j'ai une meilleure idée. Tu vas aller toi-même reporter cette bande dessinée immédiatement. Ou tiens, mieux encore, tu vas aller avouer à Fritz que tu as pris sa bande dessinée sans sa permission. C'est ça, pour qu'elle me passe à la moulinette. Je suis déjà privé de télé jusqu'en mai prochain. On ne va pas en rajouter. Parce que si ça continue comme ça, je ne reverrai pas une télé en chair et en os avant un quart de siècle. Mais non, elle va peut-être hurler un petit peu comme ça au début, mais ça ne durera pas très longtemps. Elle n'est pas en voix ces jours-ci. Mais Pouille, tu peux pas me laisser tomber. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber, moi? 1 775 000 fois. Mais enfin, tout ce que je te demande, c'est de la distraire pendant que je vais remettre la bande dessinée à sa place. Moi, je fais tout le reste. C'est quand même pas la fin du monde. Non. N-O-N, non. J'ai dit non, et c'est non, et c'est tout. J'ai été vu. Chut. Est-ce que la voix est libre? Elle décide. Chante. Où est-ce que tu viens, Pouille? J'arrive. Ouch! Tu fais exprès ou quoi? Tiens, voilà l'album. Vas-y. Pourquoi moi? Tiens, bonjour Clément. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux, avec vos têtes de conspirateurs? Rien du tout, hein, Clément, fais-y, rien, hein. Non. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dessine. Ah, tu dessines là? Ben oui, je dessine là, pourquoi? Tu serais pas mieux là-bas? Ah. Non, c'est qu'ici, je profite de la lumière extérieure, tu vois? Je n'ai qu'à lever les yeux et je vois le soleil. Mais oui, bien sûr! Pouille, suis-moi! Mais où est-ce que vous allez comme ça? Faire une balade. Jamais de la vie. Il n'en est absolument pas question. Je refuse même d'en entendre parler. Mais puisque c'est la seule solution... Non, Clément, je veux pas. Mais puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger, ça va prendre 2 secondes. Pendant que je m'occupe de Fripp, tu descends avec cette corde sur le balcon, juste au-dessus de la table de nuit. Tu remets la bande dessinée à sa place, et hop, ni vu ni connu. Moi, je reviens ici et je te hisse sur le toit. Et le tour est joué. Vois, c'est simple comme bonjour. Mais pourquoi que c'est moi là qu'il faut qu'il fasse l'escalade et que c'est pas toi, hein? Mon petit Pouille, je ne veux pas te faire courir tous les risques. Tu es déjà bien assez gentil de m'aider. Hein? J'ai été eu. Bonjour, Fripp. Ah, te revoilà. Fripp, je ne veux surtout pas te dire comment mener ta vie, parce que j'ai Philippe qui me le fait à longueur de journée et je sais que c'est barbant. Mais il me semble que tu serais 100 fois mieux si tu dessinais à la table. Là. Je dis ça comme ça. Sans compter que c'est pas fameux pour le dos. Oh, mais je suis très bien là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais juste chercher du papier dans mon coffre, pourquoi? Te dérange pas. Je vais te le donner moi-même. C'est vrai, après tout. À quoi je serais bon si je ne peux même pas te donner du papier, hein? T'as besoin d'autre chose? Non, merci, mon petit Clément. Eh ben, dis donc, c'est Papouille qui aurait toutes ces attentions-là pour moi. Ah, ça, non.
Oui, il faut bien y dire. Il dormait profondément quand on a distribué la vaillance. Ah oui, ça c'est bien le moins qu'on puisse dire. Et s'il se contentait d'être paresseux, mais c'est qu'il est feignant. Mais il faut bien y dire, il a le cœur sur la main et il est généreux comme tout. Tu veux que je te montre les dessins que je fais pour notre prochaine histoire? Excellente idée. Bon, alors tu vois, ça c'est une nouvelle aventure mettant Pouille et moi en vedette. Ce qui se passe, c'est que Pouille a pris sans le savoir la clé du coffre du grand abominable ici, l'ennemi héréditaire. Alors qu'est-ce que tu en dis, hein? C'est quand même pas mal pour un début, non? Oui, c'est très, très réaliste. Oui. À tes souhaits. Tu sais quoi? Comme je vois que tu es un grand fanat de la bande dessinée, eh bien je vais te faire une grande faveur. Oui, je vais te prêter une bande dessinée à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et même à Pouille, je ne la prête que très rarement. Mais je vois que tu es un grand connaisseur, alors je vais te la prêter. Elle est juste dans la table de nuit. Dis, t'arrêtes pas les mouchoirs, Philippe. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu vas le mettre à sa place, ce satané album, à la fin? Voudrais bien t'y voir, moi, avec vous deux qui échangez des confidences et cette corde qui arrête pas de me balloter. Avec un rhume pareil, tu devrais pas rester dans les courants d'air, tu sais. Non, non, n'approche pas. Mais pourquoi? C'est peut-être contagieux. Oui, c'est ça, c'est contagieux. Qu'on n'y arriverait jamais. Et moi qui pensais qu'on y passerait la journée. T'aurais dû voir ta tête. Quel plongeon, hein. Vous n'êtes vraiment pas drôle. J'ai failli me tordre le cou. Excuse-moi, Philippe. Oh. C'est nerveux. Je n'ai jamais pu résister à une bonne embardée dans le décor. Et c'est plus fort que moi. Mais je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à voir quelqu'un tomber. Oh, rien du tout. Non, non, rien du tout. Tiens, Clément. La voilà, la fameuse bande dessinée dont je vous parle. Thank you.